Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit déballage, craquage, j'assume, c'était le clic du désespoir. Autant que je vous prévienne tout de suite, ça va pas être en rapport avec le DP, le point de croix, le colo, ça va juste être en rapport avec la lecture. Mais je voulais partager ça avec vous parce que peut-être qu'une ou un d'entre vous serait intéressé de voir à quoi ça ressemble. Bon, après, voilà, hein, c'est pas une découverte, on en voit partout, sur tous les réseaux, donc, enfin voilà, moi j'ai craqué. Ça fait un petit moment que je vous dis que je me mets une petite cagnotte de côté. Enfin, à force de vendre les livres que je lis au fur et à mesure, ça me fait une petite cagnotte, et donc, avec cette cagnotte, qu'est-ce que j'ai acheté? Eh bien, on va découvrir tout de suite ensemble ce que j'ai acheté. Alors, ça ressemble à un carton Amazon, mais non, ce n'est pas Amazon, c'est Boulanger. Hop. Je ne fais pas de la pub hein, pour Boulanger. Ça vient de mes petits sous à moi. Et donc, attention, attention. Depuis le temps que je l'attends. Et voilà. Ah, j'ai de la pub HelloFresh. Et voilà, et voilà, et voilà le craquage. L'objet du délit. J'ai craqué pour la Kobo Libra Color. La liseuse de chez Kobo. Voilà. Alors, j'ai longtemps hésité entre deux. Et au final, bah, j'ai pris la Kobo Libra. Elle est sympa. Elle est quand même très complète. Et voilà, quitte à se faire plaisir, autant se faire plaisir, voilà, on y va, c'est parti, c'est craquage. Donc j'assume, voilà. Que dire sur cette liseuse? Ben, on va regarder ensemble, hein, du coup, on va regarder. Donc, alors, quand moi, je l'ai choisi. Alors, attendez, il me faut un cutter. Enfin, je sais que quand je l'ai achetée, elle existait en deux coloris. Avant, elle est sortie depuis le mois d'avril, hein, celle-ci, si je me souviens bien. Elle n'existait qu'en blanc. En blanche. Et moi, blanc, ça me gonfle un peu. Je trouve que c'est salissant. Et donc, je l'ai prise en noir. Voilà. Là, elle vient de sortir en noir. Donc, je l'ai prise en noir. Ah, j'allais faire n'importe quoi. Hop là. En fait. Il y a la petite ici languette. Et du coup, je pourrais emmener ma bibliothèque virtuelle. Enfin, comment dire, ma bibliothèque. Alors, en fait, c'est marqué dans le sens, mais moi, je me casse la tête à vouloir tirer de là. Mais non. Ça, c'est tout bon. Hop là, ça va tout seul. C'est tellement satisfaisant. J'aurai ma bibliothèque numérique. Voilà, je cherchais le mot avec moi pour partir en vacances. Puis regardez-moi ce packaging, j'adore. Alors, ce qui est, voilà, ce qui a fait que j'ai pris celle-ci, c'est les couleurs. Mine de rien, ça fait beaucoup. Moi, ça me dérange un peu d'avoir mes couvertures de livres en noir et blanc. Enfin voilà. Donc, c'est une 7 pouces. Regardons. Enfin, elle est arrivée. Elle est mienne. Alors, je pose ça là. Vous voyez le reflet du trépied. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, hop là. Alors, ils expliquent un petit peu. J'ai regardé tellement de vidéos. Tellement de vidéos pour pouvoir faire un choix. Donc, on a le câble. J'adore le packaging. Franchement, j'adore. On a un manuel, le câble. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la connecter à OneDrive. Comme ça, si vous avez des livres que vous avez achetés en format e-pub, enfin voilà, vous avez pris ailleurs, et ben vous pouvez les télécharger via votre compte OneDrive. Donc là, c'est un USB-C, tout simplement. Donc allez, c'est parti. Je vais enlever juste le petit film. Alors j'ai acheté à part des écrans de protection et une coque parce que j'ai pas envie de l'abîmer quoi. Hop là.
En même temps, j'aurais pu le laisser ça en attendant. Bon, c'est pas grave, hein. Donc en fait, alors attendez, je regarde de plus près, c'est marrant, c'est les dessins sont, bah, c'est les dessins de la Kobo, quoi, de l'intérieur. Donc c'est tout noir, voilà. Donc je l'allume de là. Voilà, cool. Alors on peut écouter aussi les livres audio là-dessus. Donc ça c'est cool. Alors par contre, Kobo, bah, vous n'allez pas pouvoir acheter des livres sur Amazon. Hein. C'est sur Kobo qu'il faudra acheter. Et donc voilà, donc français. Bienvenue sur Kobo, commençons. Ah oui, donc là, bah, du coup, c'est parti. Il faut que je fasse les connexions. Donc, je vais faire les connexions. Alors, ça y est, j'ai réussi à la connecter. Donc, maintenant, bah, vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Donc là, je suis sur la boutique Kobo. Et bon, là, mes livres, forcément, je n'en ai pas plus. Donc on voit hein, si j'avais des livres dans mon Google Drive, ou on peut mettre des livres aussi dans ma Dropbox. Enfin voilà, vous pouvez aller voir où sont vos livres. Donc accueil. Et du coup, ben écoutez, je sais pas. Alors faut que je la prenne en main parce que pour le coup, faut que je découvre. Hein. Faut que je découvre les choses. Mais au moins vous voyez un petit peu. Voilà, on a de la couleur sur une liseuse et ça c'est cool. C'est le petit plus, voilà, on a les couvertures. Des fois, moi, ça me parle plus de voir la couverture directe. Par exemple, si je veux le dernier qui vient de sortir de ma saga Coup de cœur. Par exemple, donc The Devil, il va peut-être me le mettre, hein, Devil Sons. Donc là, hop, The Devil Sons, il me l'a pas mis, The Devil Sons. Ouais, c'est parce qu'il y a une apostrophe normalement là. Alors, on retape. Tac. Alors, c'est pas une tablette, hein. Donc forcément, c'est pas les couleurs ne sont pas flash. Je crois que c'est le système encre ink. Je crois. Je pense que ça s'appelle comme ça. Alors, The Devils ici. Et donc, du coup, voilà, c'est pas les couleurs peuvent vous paraître fades, mais c'est totalement normal. Et du coup, il y a aussi cette latence hein, qui peut vous paraître, ça peut vous paraître long, mais en fait, c'est normal, c'est une liseuse, voilà. Donc du coup, le tome 4 qui vient de sortir, voilà, si je le veux là maintenant, et eh ben, je l'achète pour 5,99 € sur Kobo, voilà. Donc ça c'est cool. Et du coup, voir l'extrait, on peut voir hein, ce que ça rend du coup un livre sur la liseuse, ce que ça donne. Hop, commencer à lire, donc bah, il me donne hein, quelques explications pour tourner les pages, toucher les boutons, tourner la page ou balayer. Ok, ouais, comme une tablette en fait. Toucher le centre de l'écran pour faire apparaître le menu de lecture. Ok. Bon là, il nous donne définir un mot. Si on veut faire, on peut avoir les définitions des mots. Ça, c'est cool. Prendre des notes. Appuyer, sélectionner. Ok. Il faut que je vous montre aussi quelque chose. Lire le soir. Ajuster la luminosité en glissant le long de l'écran. Ok. Du haut vers le bas. Synchronisation automatique. Vous pouvez poursuivre votre lecture sur n'importe quel appareil. Ça, c'est cool. Hop. Menu de lecture. Ok, bon, voilà, c'est la prise en main. Donc voilà, hein, The Devil Sons, mon petit bébé. Donc, si je veux tourner la page, j'appuie là. Ok, ou sinon, je tourne comme ça, tout simplement. Et voilà, j'aurai. Et franchement, c'est sympa, je trouve. Déjà, rien que là. Après, on peut faire des petites modifs, hein, de police, on peut agrandir ou pas aussi l'écriture. Donc voilà. Voilà, et donc là j'ai le prologue. Donc soit je peux changer. Moi ça me va bien comme ça, c'est pas mal. Donc par contre, je vais vous expliquer un truc. Avec la Kobo, vous pouvez acheter aussi le fameux stylet. Le stylet Kobo qui coûte une blinde. Je crois qu'il coûte 70 €. Mais moi, un coup, je suis allée à Action et j'ai. C'était en promo en plus. Alors, je suis en train de chercher où est-ce qu'il est le stylet. C'est.
C'est sur la boîte, je crois. Je crois. Ouais, ils disent que vous pouvez connecter aussi un stylet, mais n'achetez pas le stylet Kobo qui coûte une blinde. Moi, je l'ai trouvé chez Action. À l'époque, il était en promo à 10 euros. Là, il doit être à 12, 13. Et en fait, ça marche très bien. Donc là, on va tester. Par exemple, si je veux, hop, surligner. Ben voilà, hop, je fais ça. Si je fais, comment on fait? Bon, après, je l'ai pas très bien en main. Si je fais ça, ça fait quoi? Si je veux surligner, je clique sur le menu, ok. Donc là, au moins, ça me permet de voir sur quelle page je suis. La septième sur, ok. Bon. Ah oui, aussi, on peut la mettre en format paysage, celle-ci. Voilà, si vous préférez, enfin voilà, il y a la rotation automatique. Si vous préférez lire comme ça ou comme ça. Mais là, du coup, elle s'est bloquée. Il faut la remettre en portrait. Bon, moi, clairement, ça restera en portrait. Je pense que c'est plus pour ceux qui lisent les BD. Ok. Donc, je fais au milieu. Si je veux surligner, comment ça marche? Ça, c'est si je veux changer la police. Ici. Ouais, alors en fait ici on a toutes les fonctionnalités, ok, la luminosité aussi. D'accord, elle est en automatique, c'est très bien. Ok. Quoi d'autre? Afficher les détails, tac. Je sais qu'on peut surligner. Alors si vous êtes quelqu'un qui annote les livres, ben voilà, vous pouvez surligner. Mais j'ai pas encore. Je découvre. Je suis comme vous, je découvre. Donc là, je vais retourner sur l'extrait du coup. Donc vous voyez, en fait, ce stylet fonctionne très bien. Voilà, si vous voulez. Je sais pas si je peux écrire. Non, là, ça marche pas. Comment je fais si je veux écrire? Alors, en fait, si je veux écrire, ça marche pas. Il me faut le stylet Kobo. Donc c'est nul ça. Voilà, donc en fait, j'ai pas toutes les fonctionnalités avec le stylet là. Bon, après, je peux surligner comme ça, rassurez-moi. Ben non. Bon, faut que je cherche, hein. De toute façon, faut que je cherche. Comme ça, non. Tac, tac. Si je fais ça, hop. Donc là, j'ai la définition. D'accord. Ok, je peux pas surligner dans le prologue. Non, je peux pas, c'est interdit. Ça, si je fais ça, si je veux, hop, surligner de là à là. Bon, non, je sais pas. Ah, peut-être parce que c'est un extrait, je peux pas surligner. Bah oui, peut-être aussi. Et si j'appuie sur le bouton d'en haut, il me fait revenir en arrière, je crois. Ouais, en haut, c'est en arrière. En bas, c'est j'avance les pages. Ok. Ok, bah je vous dirai, hein, de toute façon. Mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne très bien ce stylet de chez Action. Si j'arrive à tout faire avec, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Au lieu de 70, ouais, 70 euros, je crois. Ou 60, 69 ou 79, bref. Bah, je peux vous dire que s'il fait le taf, ça vaut peut-être le coup d'en acheter un deuxième. En plus, il est aimanté. Alors, je sais que la Kobo est normalement aimantée. Mais ouais, vous voyez. Mais à mon avis, ouais, là, c'est pas. Si, ça y est. C'est aimanté là. Je le mets pas bien, bien. Où est-ce que c'est aimanté? Bon, là, je peux peut-être pas le faire tenir. Les aimants sont pas placés pareil que le vrai stylet. Bon, voilà, on peut pas tout faire, mais en tout cas, pour l'instant, il fonctionne très bien. Voilà, mais je sais qu'il y a sur Amazon un stylet qui fait toutes les fonctionnalités pour la Kobo Libra. Bref, donc, bah écoutez, en tout cas, j'étais contente de partager un petit peu avec vous mon nouveau joujou. Maintenant, il va falloir que je l'apprivoise. Bon, après, si je veux revenir sur ma page du départ, je fais comment? Ouais, enfin, voilà quoi. Bah, je vais revenir en arrière, tac. Mais si je veux arrêter, en fait, faut que je le prenne. Faut vraiment que je la prenne en main. C'est tout nouveau, hein. Voilà, je vais pouvoir me poser tranquillou et puis bah faire un petit peu mumuse avec, hein, découvrir les petites choses. Voilà. Donc là, je reviens en arrière. Et si je veux juste, je sais pas,
Ah non, là je clique deux fois, ça agrandit. Ok. Oh, j'ai pas bien lu dès le départ. Voilà, j'ai voulu aller trop vite. Tac. Si je veux aller au retour. Voilà. Ok, ça y est. On y est. On y est. On y est. Voilà. Bon. Allez, je vais retourner sur la boutique Kobo. Voilà. Donc, et puis au fur et à mesure que j'achèterai, bah, je retrouverai tous mes livres ici dans ma bibliothèque. Voilà. Bon, écoutez, c'était le petit partage, craquage total. Il y avait longtemps que je n'avais pas cliqué, que je ne m'étais pas fait plaisir. Donc, bah, maintenant, c'est chose faite. Là, on va se calmer un petit peu, hein. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi si vous êtes team livre papier ou team liseuse. Bon, après, je vous avoue que le papier restera quand même dans mon cœur, hein. Ça, la liseuse, ça va pas enlever le papier, quoi. Le livre papier qu'on respire quand il est neuf, hein. Moi, c'est mon kiff. Donc, voilà. Là, ça va être sympa, je trouve, d'avoir toute la bibliothèque dans cette petite machine. Et puis, enfin, voilà, ça a son avantage quand même. C'est moins lourd. Franchement, elle est très légère. Et elle se prend bien en main, vous voyez. Le fait qu'il y ait la bordure là, en fait, c'est autant gauchère que droitière, vous voyez, ça se met automatiquement. Donc, moi, je trouve ça super pratique, cette bordure. Donc, parfait. Voilà, je suis bien contente de ce craquage. Maintenant, affaire à suivre. Voilà, allez, j'arrête là. J'espère que ça vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Salut tout le monde.